Bonjour à tous et à toutes, c'est Ichigokun pour une vidéo commentée sur Naruto Shippuden Storm 2. Ultimate Ninja Storm 2, ouais, c'est marqué, ça mérite un gros bisou. Donc oui, je suis accompagné aujourd'hui, ou ce soir, ou le matin, non c'est bien la journée, pour dire, je suis accompagné de ma sœur en fait, comme pratiquement toutes les vidéos. C'est pas vrai? Tu me présentes pas alors, c'est pas Bon, gentil. bah, dans Zelda, je t'ai fait quoi d'après toi? C'est moi qui a commenté bizarrement d'ailleurs. La prochaine fois, t'es avec moi. Hein? Ok. Que c'est une véritable catastrophe. Je ne peux pas commenter toute seule. Ce n'est pas Sandy, ce n'est pas de ma faute. Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, nous sommes arrêtés dans. Ah ouais! Avec la vieille Tsunade, je m'en souviens encore. Elle nous avait encore fait. Non, elle nous avait bien énervé en fait. Elle nous avait dit deux missions pour faire la suite en fait. En fait, on est obligé de faire ça pour avoir la suite et c'est assez embêtant. Donc. Tu ne dis pas aux gens comment ils vont. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va toujours, hein. Oui, mais je veux dire, c'est quand même important de dire comment on va. Je sais pas. Moi, c'est vrai, la dernière fois, j'ai pensé au dernier moment. C'était trop tard. Pour la vidéo de Zelda, j'y ai pensé, mais. Donc nous sommes obligés d'aller voir Ichiraku pour manger des ramen, je pense. Oh, j'ai meurs de faim. En disant ça, en touchant bien son bide. Je vais chercher des nouilles chez Ichiraku. Hein? Shikamaru! Hé hey Naruto, c'est bien toi. Hé, hey, tu es de retour. Non, je suis l'allée. Non, je connais. C'est bien toi, Shikamaru. Non, c'est le pape. Non, c'est ce crétin. Ah, tu viens du village du sable, toi, non? Je suis Temari, ça faisait longtemps, Naruto Uzumaki. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes avec 3 points d'exclamation, comme s'écrit Dameton! Et j'ai eu mon premier entraînement il n'y a pas longtemps. Tu rentres à peine et t'es déjà débordé. Hé hé! Sinon, qu'est-ce que vous devenez? Vous sortez ensemble? Par pitié. Comment elle a réagi, Temari? Ah, on arrive à peine à Konoha pour organiser les jeux, pour les prochains examens des Chunin. Examen de Chunin, ça me rappelle des souvenirs. 3 points de suspension. C'est bien joli les souvenirs, mais tu comptes passer l'examen? Ben pourquoi? Comment ça pourquoi? Tu es le seul de notre promotion de ne pas être Chunin. Non. T'as bien raison de faire cette gueule. Tu veux dire que Sakura, Choji, Hinata, ils sont tous Chunin? Et c'est ce que je viens de te dire, il ne reste plus que toi. C'est une blague, je suis le seul à être un Genin. Encore. Je le savais, je me disais bien que c'était le bruyant ici. J'avais raison, c'est bien toi. Ouais. C'est Iruka. Je me suis trompé de nom. Iraku. Iraku. Il n'existe pas dans ce mot-là, ce nom-là. Bon. Ça m'est sorti de la tête, son nom. Bon, pour dire qu'il respecte bien l'animé, pour le début et jusqu'à la fin. Le début, ils veulent faire toujours bien parler, parce qu'ils savent que faire ça, en fait. Donc, il va lui acheter des nouilles, il va lui offrir des nouilles. Quel hasard, c'est justement là où j'allais. Ouais, je me demande, c'est quoi comme hasard, ça? C'est de la chance ou c'est fait pour? Ouais, ils vont manger chez Ichiraku. Dédicace, Dr. Intox. Des nouilles avec Maître Iruka. C'est drôle, ça me rend très heureux. Ça te rappelle le bon vieux temps. Ouais, le très vieux temps. Chapitre 1, sauver le Kaze. Kaike. Qu'est-ce qui te fait rire? Il s'est casé, il s'est cassé, il a cagué. T'es vraiment bête. Des nouilles. Respecte au moins le choix des Japonais qui m'ont. Kaze Kage, c'est pas ma faute, hein. Attends, c'est un drôle de nom, c'est comme Kakashi. Épouvantail, hein, ça veut dire, mais bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Attends, mais Kakashi, c'est ce que c'est Kakashi? C'est Kakakishi. Oh, arrête, n'insulte pas mon personnage préféré quand même. Donc bref, ils vont aller voir Ichiraku pour bouffer.
vous avez tout de suite compris. Enfin, ça fait 3 minutes qu'ils en parlent de bouffer des ramens. Il bouffe son intestin grêle, c'est la même chose. C'est quoi ton problème là? Attends, des nouilles, il veut des nouilles. Bah, prends un intestin grêle. Il doit avoir des restes. Il faut vraiment que j'aille chez Chiraku là. Il y a pas. Il doit y avoir Jiraya normalement, il me semble. Il te semble. D'abord, laisse-moi trouver Ichiraku. Bon, en espérant qu'il y ait des combats pendant les... Ah, les Iruka. Eh, hey, tu es venu. Ah. Allez, on y va. Eh, hey, d'accord, d'accord. Et dites-toi d'accord. Combien de bols je vais manger cette fois? Va savoir. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ah, moi, je veux... ça veut rien dire pour moi. Bah, combien de bols il va manger? Ça va lui coûter une fortune. Bah, je m'en fous, c'est lui, c'est l'autre, c'est Iruka qui paye. Ouais, mais là, ils font souvent le passé, ils sont assez embêtants. Alors, c'est pour ça que tu faisais autant de boucan. Ils sont tous chunin, je suis le seul genin. Ce n'est qu'un grade. Naruto, ton entraînement sauvé de Zirga vaut mieux plus que ça. Un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux? Ah, bah attends, laisse-moi parler correctement. Peut-être. Mais Maitre-Iron, j'ai pas le temps. Mon bandeau et mes vêtements étaient en sale état, j'ai dû en changer. Les vêtements se remplacent à l'entraînement jamais, ça c'est ce que t'as. Bon, vous avez le temps de lire parce que moi, je suis peut-être plus fort que vous, Maître Iruka. Oh, peut-être c'est noir. Ne me dis n'importe quoi. Ah, un de ces jours, on aurait se battre, hein. Ouais, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je pense, je devais vous demander quelque chose. Sakura et les autres sont passés Chunin, mais lui et Gaara. Ah, lui, oui, et lui. Ne dites pas qu'il est passé Chunin au lieu de Chunin. Non, son cas est un peu spécial. Spécial? Non, mais on le sait très bien qu'il est Kazekage. Bah, ceux qui connaissent pas. Ceux qui connaissent pas. Qui connaît pas? Qui connaît pas Naruto Shippuden? Il y en a qui ne connaissent pas. On va. Remarque, c'est tu me passes le P99 là? Je sais pas, on ne sait jamais. Et là, il manque plus que la musique. Oui, wow. Oh là, wow. Le thème original. Tu sais, genre les zombies. Voilà. Allez, c'est Deidara avec Sasori du sable. Rouge. Sable rouge. Waouh. Putain, ils sont roux les sables, non? C'est une façon de parler. En fait, c'est ce que ça veut dire, sable rouge. C'est peut-être le sang sur le sable. T'as jamais pensé à ça? Attends, il sort un oiseau. Que dites-vous de mon œuvre? Je t'en fous complètement de ce que je dis en fait. En gros, c'est ça. Ne me fais pas perdre mon temps. T'inquiète pas. Ah bah alors quand il nous sort un combat. T'inquiète pas, je vais chier. Je vais préparer mon temps. Je vais préparer mon thé. Tu pourrais éviter de dire un peu des grossièretés, tu vois. Eh non, mais attends, sérieux. Il va faire des cats. T'imagines dans la rue? Cats! Malade lui. Et oui, c'est vrai quoi. Donc on en est déjà à 8 minutes 40. Oh là 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 là. Que ça passe vite, ma poule. Chargement toujours aussi rapide. Tu parles? Oui, je parle. T'as que ça à faire. Premier combat. Premier combat. Ah, oh ouais, c'est le boss. Oh oh, Sandy. Ah, Eric, je peux le faire? Non, non, non. Non, non, c'est moi qui joue. Oh, pourquoi? Bon, j'y suis. Bon appétit. Comment il savait que j'étais là? 6 points de suspension. Oh, 3 points de suspension. Oh, je n'ai pas été assez discret. Bravo, 3 points de suspension. Je n'attendais pas, moi, du Kazekage du sable. 3 points de suspension. C'est bon, le sable. Attends, sérieux. Ça va mourir de rire, c'est mon tour. Tu fais partie de la Katsuki. Bien. L'opération a échoué. Enfin, principal, ce que j'ai besoin de chercher. Toi. Bien. Allons-y. Avenue 500. Oh là là, mais franchement, un peu de sérieux quand même. Il protégera le village de Suna au péril de sa vie.
Au péril de son sable. Oh, De son dégage! sablier! Êtes-vous prêt? Bah ouais, c'est bon. Non, 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 Oh, non, non. dégage, C'est Shimas! moi! C'est moi qui prends! C'est S'il moi! te C'est plaît! moi qui joue! Oh! Ça Les. faisait longtemps que j'avais plus Ça joué! s'appelle un geek! Oh, nous sommes des geeks! T'as envie de jouer? J'ai envie de jouer! Alors regarde le maître! Il va tuer Deidara! Devant les yeux ébahis de tous les téléspectateurs. Les followers, tu veux dire? Follower. The, t'en as plusieurs. The follower. Et toi t'es. Regardez l'extrait. Oh, il vole. C'est normal, il est sur un oiseau. Nye, une langue. C'est le gars il dit rien, une langue dans sa main. Ouais. Mais voilà. Laisse-moi prendre le sushi enragé. Pourquoi des sushis enragés? D'ailleurs, tu t'en souviens comment on le tue déjà? Alors, nous pouvons voir, il y a beaucoup d'enchaînements possibles dans ce jeu, c'est assez impressionnant. Sabak, Ah, y a pas le nouveau jeu là qui va sortir de Naruto Shippuden? oui, Naruto Shippuden Storm Generation, un putain de bon jeu qui est attendu par tout le monde en fait, qui est assez impressionnant en fait. C'est un très bon, très, très bon jeu qui sortira le 30 mars. Tu sais plus te protéger non plus. Non, j'ai dû oublier comment on fait. Faisais. Faisais. Ah, décidément, tu ne sais pas parler ou quoi? Tu me laisses parler, oui. Merci. Si tu veux, je peux le faire, hein. Non, mais j'ai pas envie. Là, vous avez vu les gens? Il est méchant avec moi, mon frère. Je ne suis pas méchant. J'ai juste envie de leur montrer les enchaînements possibles. Moi, je peux le faire. Non, mais toi, t'es pas vrai. Toi, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Allez, comment on fait déjà pour se protéger? R2. Tu vois, j'en étais sûr. C'est aussi pour la... Comment on dit ça déjà? Là? La permutation? Un truc comme ça? Ou c'est La peut-être... permutation? C'est ça? La substitution? Voilà, c'est ça. Oh là là. Oh, je suis à la ramasse. Oui, à la ramasse. N'oublie pas ton cerveau. Hein. T'es KO, Eric? Ah, au fait, ah ouais, c'est vrai, je suis KO. Allez, laisse-moi faire. Non, 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 non. Non, c'est juste que je suis pas habitué. Attends, sérieusement. Attends, le gars, il m'a tué. Ah, il faut le faire, hein. Oh là là. Allez, un peu de sérieux. Ok, je me concentre, désolé, je me concentre. Je ferai de mon mieux cette fois-ci. Je ferai de mon mieux. Allez, go, go, go! Tu bouges pas assez, Eric. Non, mais c'est pas que je bouge pas assez, c'est voilà quoi. Ah, tu vas tomber, oui. Waouh! Eh ben, il nous fait de sacrées acrobaties, hein, Deidara. Ouais, Waouh! surtout qu'il s'enfuit trop vite, le con. Allez, tu veux bien, oui. Alléluia. T'as déjà perdu pas mal d'énergie, Eric. Mais ça a fini à combien? Je ne sais pas. Je crois que c'est la première barre en fait que ça s'enlève. Je suis plus trop sûre. T'es sûr? Aïe. Heureusement que c'est mode débutant. T'as vu comme il te nargue? Ouais, mais attends, sérieux le gars. Attends. Eh, t'as vu, ça fait plus d'une heure, hein. Ah ouais, je sais pas. Et attends, sérieusement. Attends, franchement, laisse-moi essayer. Non, non, j'ai pas envie, c'est moi qui fais. On est gay. Non, arrête. Juste un tout petit peu. M'en fous, moi je présente à tout le monde le mode de jeu. Et alors, que ce soit moi ou toi, elle est où la différence? La différence. La différence c'est que tu vois, je suis concentré. Ah, ah mais ah, putain, mais il est chiant celui-là. Ça fait longtemps que j'ai plus joué. T'es, il m'a saoulé Ça celui-là. fait déjà plus de la moitié de vie qui t'a enlevé. Mais j'y peux rien moi. Il m'a trop fait chier celui-là. C'est pas ça, c'est cap. Voilà, tu Allez, vois, je suis allez, encore KO. à moi. Allez, laisse-moi. Bon, bah, je te laisse faire. Ok.
Ça fait trop longtemps que j'ai plus joué. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté de jouer. Donc bon, Gaara, il est assez simple à maîtriser. Tellement simple que tu perds. Non, j'ai quelques souvenirs qu'il était assez simple de maîtriser. Et j'aimais bien maîtriser. Mais le mieux, c'est pas comme ça. Moi, j'aime pas trop ce combat avec Gaara et Deidara. Moi, ce qui m'intéressait, c'est genre Kyuubi avec d'autres combats et tout. Tu vois, ça m'intéressait et tout. Et là, celui-là, il est chaud en fait, celui-là, en fait, de boss. C'est le premier boss, mais pourtant, il est super chaud. Alors. Bon, après, pour d'autres astuces, il faut. Bah, explique-toi, Sandy, alors, toi qui sais. Bah, il faut tout simplement astuce. Donc, quand Deidara est dans les airs, vous sautez triangle au carré. Et après, le sable poursuit tout seul Deidara. Après, vous rechargez votre chakra. Avant qu'il fonce sur vous, vous lui envoyez des projectiles. Enfin, vous verrez avec les enchaînements quand vous les apprendrez. Sauf ceci est un ancien jeu. 2, 2, 2, je sais pas combien. Bah, si long, hein, déjà, hein, si long pas, c'est. Il me semble c'est 2010. Ah, et quand même, hein, déjà? Ouais, 2010, il a dû sortir. Au Japon, hein. Mais il a dû sortir l'année dernière. C'était à l'époque de Noël, je crois qu'il est sorti en janvier ou je sais pas où. Bon, alors, t'en débarrasses de ce boss, là? Ah, je crois que ça y est, la suite. Ok, nous arrivons à la suite, le plus intéressant. Ah, par contre, Quelle vitesse! Ah oui, voilà, c'est comme ça. Alors, nous avons toujours les extraits dans les touches qu'il faut faire. Ouah! Oh. Tada! Ne regarde pas. Limite. Ah, t'as eu le facteur secret? Ah oui, déjà? Ouais, t'as le facteur secret déjà. Tu t'en sors vraiment pas toi avec ces touches-là. T'es pas doué. Ça fait longtemps aussi. Bon, on fait la suite. Bon, bien sûr, vous savez très bien que Gaara, il est obligé d'être pris à la fin. Donc logiquement, ils ont fait un truc pour la console. Comment ça marche déjà? Alors, placez votre cible dans le cercle pour la verrouiller. Appuyez ensuite sur rond ou carré pour attaquer. Appuyez triangle au rond ou triangle. Ouais. Bon, on verra bien. Bon, après ça, tu te débrouilles. Bon, c'était un test à avoir, à essayer. C'est plutôt une bonne idée de faire un truc comme ça. C'est très bien foutu. Tu te balades dans le village de Suna, dans les airs, pour poursuivre Deidara avec son oiseau. C'est mauvais signe. Bon, là, c'est bien foutu. Et après, nous continuons. Bon, après, je crois qu'il est bientôt quick là. Il est pas bientôt KO là? J'en sais rien, je ne vois pas. Il est bientôt, ouais, il est bientôt quick. Je m'en souviens encore qu'à la fin, il y a une cinématique de fin. Enfin, il y a une cinématique de fin qui dit qu'on gagne, mais après, c'est nous qui perdons. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est parce que c'est dans l'histoire en fait. C'est dans l'histoire, ouais. Bah, pour ceux qui connaissent. En plus, les trophées, ils sont super simples à avoir dans ce jeu. Non, mais non, les trophées, on les a déjà eu. On a 92%. Encore, c'est mauvais signe. Bon, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Ok, nous passons à la suite. Joli. Alors, m'assure son petit bijou. Oh là là, le C3 ou le C2 déjà, j'ai oublié. C5. Non, non, le C5 il était deux fois plus gros. Tu as zappé comment c'était fait, wesh. Faut que je me concentre. 4 Ta Badaboum. Ah oui, pendant que vous réalisez les combos pendant les extraits, vous récupérez de l'énergie selon la façon dont vous réussissez
Ouais. l'enchaînement. Ça, c'est intéressant. Ça vous permet de regagner de la vie si vous êtes en difficulté. Bon. Je trouve ça bien. Le facteur secret, c'est bien sûr dans le passé de Gaara que Naruto lui fait changer d'avis sur certaines choses parce qu'au début il était un peu. Il s'en foutait carrément du monde, il voulait tuer tout le monde. Et maintenant il se sent responsable et il veut sauver les gens qui les entourent. Enfin, qui l'entourent. Donc, vu qu'il est Kazekage, il doit sauver le village. Donc voici comment il attrape Gaara. Assez simple en fait. En fait ça c'est pas dans l'histoire ça. Non. C'est un bonus, c'est pas mal. Non c'est pas dans l'histoire ça. Non non, c'est ce que je viens de dire. Ah non 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 non. Oh là. Tu arriveras jamais avec ça, toi. Pourquoi toi tu y arrives comment? Facilement. Ah ouais? Bah, moi j'ai du mal. Bon, on n'est pas pareil. Bon, bah tiens, c'est fini. Ah ouais, c'est fini donc je prends la manette. Allez. Ouais, après avoir perdu deux fois. Ah, mais t'arrêtes de me saouler avec ça, toi. C'est normal, je perds à chaque fois. Ça veut dire que j'y joue pas comme toi, je jouais pas comme toi, je m'en souviens plus trop des touches. Bon, on a réussi. De l'argent. Donc on a 110. Tu as un 100%. Tu n'avais pas été touché une seule fois. Mais grâce aux extraits, j'ai pu récupérer de la vie. Oh là 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 là, t'as eu un 100%. T'as eu un S. Bravo. Ah, bien joué. Bah c'est le premier boss aussi, il est quand même facile. Facile? Non, moi c'est le plus dur. Pain, alors le dernier. Les autres c'est simple, il n'y a que lui qui est difficile pour moi. Donc nous finirons cet épisode par cette cinématique. Oh, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai fait. J'ai pas roté, c'est bon. J'ai cru. Ah, merci à moi que je dirais que c'est. Alors, c'est fini? Sûrement pas. Normalement. Il a perdu son bras normalement. Mais vu qu'on est en France, ils ont censuré les trucs et tout. C'est que des. Je suis pas sûr qu'au Japon. Non, ils censurent pas. T'es sûr? Mais c'est moi qui vais gagner 4. Bon, c'est pas vraiment ça. Non, ça se passe pas comme ça. Mais sauf c'était pour faire un endroit fun en fait. Pour qu'on gagne et qu'on perde à la fin. Oh. Tu le vois la tête qui va boum. Tu sais, on aurait dit une merde de pigeon. Boum. Oh, arrête, t'es dégueulasse. Oui, je suis dégueulasse. Il m'a pas laissé beaucoup d'ouverture, tu es redoutable, Kazekage. Kazekage. Oh, oh moi. Et voilà, il maintenant. A et maintenant il va caguer le Kazekage. Ben, il me semble qu'il était à l'arrière en fait, Gaara là, normalement. Mais vu qu'ils l'ont pas fait comme dans l'animé, l'oiseau dans le jeu. Ouais, ils ont tout changé en fait. C'est en fait une sorte de chouette ou un hibou, je ne sais trop quoi, mais là c'est un autre oiseau. T'es sûr? Ouais, c'est un autre oiseau. Ouais. Ils ont voulu changer. Ils ont voulu changer, non? Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont dû se dire, ouais, on va le faire avaler direct comme ça. On va le faire avaler. Ouais, on a débloqué un nouveau personnage. Deidara. Ok. D'accord. Bon bah, tu vas finir là-dessus? Ouais, on va finir là-dessus. Quand l'extrait sera terminé, parce qu'il va avoir Konoha qui va être mise au courant. Et. Ah, vous voilà, l'équipe 7 va bientôt recommencer sa nouvelle mission. Enfin, commencer sa nouvelle mission. Qu'est-ce qu'il y a, Naruto? Un problème? Je n'aurais jamais cru que Gaara deviendrait Kazekage. Je suis content pour un peu agacé aussi. Agacé, je comprends. Mais pourquoi content? S'il est devenu Kage, ça veut dire qu'il est reconnu par les autres. Il a vraiment dû souffrir. Mais il a réussi à travailler sans relâche et maintenant il est enfin devenu Kazekage. C'est pour ça que je suis content pour lui. Tu devrais faire du même, tu vas tout de même pas te laisser abattre par Gaara. Oh non, si tu l'enchaînes. De quoi Ça va être comme ça tout le long de l'histoire à dialoguer là comme ça.
Des fois, ouais, mais ça dialogue toujours comme ça en fait. Au départ, ouais, ils ont voulu faire un jeu comme ça au départ. Et après, dans le Generation, ils vont mettre des vraies cinématiques avec dans l'histoire. Donc là, ils nous proposent. Pas sauvegarder, c'est ça? Donc là, il faut aller voir Tsunade. Mais on en restera là pour aujourd'hui. Je vais sauvegarder une bonne petite soupe. Une bonne petite soupe. Bah ouais, il y a un petit Kazekage, alors pourquoi pas Hey, il y avait une petite. sauvegarde là. Ah ouais. Mais non, attends, près de Tsunade, comme ça j'aurai pas à faire 1000 km la prochaine fois. D'accord. 1000 km à ce point-là? Il est aussi grand que ça, le village? Ouais, si grand que ça, ouais, j'ai pas pu trouver mieux. Alors, tranquille, nous continuons. Ah mais non, tu vas pas continuer, tu vas t'arrêter. Ah tiens, il y a le bonhomme là, comment il Ouais, s'appelle? l'homme mystérieux. Ouais. Mais non, 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 d'abord Ça c'est une des missions. je sauvegarde. Bon, je sauvegarde sur ce coup-là. Donc, ben, vous pouvez faire connaître ma page YouTube et aimer ma page Facebook, enfin, me faire connaître de partout, par vos amis, par vos parents, par vos chiens, par vos chats si vous voulez. Là, je crois que tu es dans l'exagération. L'exagération? Ah non, ils m'ont donné une croquette. Tu aimes la page de Chikukun? Ah ouais, non, 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 une petite croquette? Oui. Donc, non, vous êtes de plus en plus nombreux à ma page YouTube et tout, c'est super sympa. C'est parce que tu les demandes aussi. Oh, moi aussi, parce qu'ils aiment aussi, et sinon ils le feraient pas. Heureusement qu'ils aiment, enfin j'espère. Bah oui, mais sauf il y a certaines personnes qui regardent pas, et les autres ils ont pas le temps, ils ont des problèmes, ils ont ci, cela, il y a toujours des petits problèmes comme ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, je vous comprends tout à fait de ce que vous avez, ce que vous vivez avec les parents. Surtout moi. Ben surtout toi qui devrais travailler un peu plus. Non mais non. Par rapport aux parents, quand ils disent de faire la vaisselle et tout comme ça. Bon, après c'est un peu hors sujet. Donc, C'est un peu normal d'aider, hein? un peu normal d'aider, toutes les 5 minutes, non, non. Non, pas toutes les 5 minutes, mais quand même, on te le réclame à chaque fois. Donc, je termine cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ah, Hein? par contre, pour Zelda, on l'a fait quand? Dans une semaine, non? Ou un Dans peu pas plus? longtemps, ouais. Mais parce qu'on n'a pas la Wii ici, donc on ne peut pas le faire maintenant. Il faut. Ouais. Bon, on la fera On la pendant pas fera longtemps, celle de prochainement. Zelda. Donc, Par contre, tu resteras avec moi, il y a rien. la prochaine vidéo, ce sera sur Bleach, là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.